Et là, ce monsieur, c'est celui le coiffeur du chef de l'État. Ce gars que le président Félix avait vu à Kisangani et qui a demandé à ce qu'il puisse rejoindre la présidence de la République. Mais le monsieur qu'on a arrêté ce matin, celui-ci, en compagnie de Daniel Massaro et l'autre maître ici, c'est un usurpateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le chef de l'État a demandé que ce coiffeur puisse être pris à la présidence, nous étions tous témoins. C'était à la télévision, sur Internet et tout. Nous avons tous applaudi. Je vous dis ce soir que le monsieur de Kisangani n'a jamais quitté Kisangani. Voilà la vidéo qu'il m'envoie aujourd'hui. Le monsieur n'a jamais quitté Kisangani. Il est là. Photo ya mie la garde ya président wakati ya campagne ayoyi pendant la campagne ayoyi nilisha mukata président nyele le jour j'ai coupé les cheveux du président wakati chef de l'état anakuwa président. Ce qui m'étonne, c'est que vous pouvez voir toute la garde du chef de l'état était là. Hapa déjà président anatoka na mie ingi en plein air anapia kunionesha kubatu ngine ayo hii na yenye nakamata kumikono ya jaune ilikuwa tu hii mafoto yenye mko mnaona hapa ni Hamisi niko viva Kisangani sasa hivi. Donc comme vous pouvez le voir, ce monsieur Kombo nanga Hamis Raza awa na Kisangani Nga inde nakata ki Presida ya mboka Felix Tshisekedi Tshilombo Na Victor Kame Suki Place batika ki ngai awa na Kisangani Nande naza viva Ngai Hamis Place batika ki ngai Nande naza sikoyo Nazana 15 Nazana 15 56 minutes. Donc, comme vous pouvez voir, vous voyez comment le président de la République était infiltré. Donc, Moutouaka Takaesu Kiwana Moutoua Voyage à Kawana, ce n'est pas le fameux coiffeur. Le coiffeur a toujours été à Kisangani. Il n'a jamais mis ses pieds à Kinshasa. Ils sont partis chercher un ami à Daniel Massaro, qui le ressemble par contre, hein, comme deux gouttes d'eau. Donc, Nzambe Abagenou Nabiso, Nzambe Abagenou, voyez comment la vie du chef de l'État est prise à la légère. Donc, même l'équipe de sécurité n'a pas su dire la vérité au chef de l'État pour dire que président Moutoyo, Aïna Moutoyo, Moutou, ou Anekala Okisangani, Bazui Moutou Moussousou. Comme vous pouvez voir, le gars qu'on a arrêté aujourd'hui avec Daniel Massaro, vous verrez que, oui, c'est vrai qu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà les gens qui travaillent avec le président de la République. Donc, voilà le gars qui travaillait, qu'on disait que ce n'est pas lui. Le gars n'a jamais quitté Kisangani. Donc, Vital Kamerhe, qui connaissait tout du chef de l'État. Donc, le président était infiltré comme pas possible. Vous savez, quand je dis ça à quelqu'un, vers 15h, je lui raconte, je dis non. Le gars qu'on a arrêté n'est pas le coiffeur. Parce que le coiffeur m'a envoyé sa vidéo, il est à Kisangani jusqu'aujourd'hui. On l'a jamais envoyé le billet, rien du tout. Donc, le gars ici, l'ami de Massaro, a voyagé avec le chef de l'État partout, États-Unis, France, Belgique, Chine, Tanzanie, alors que c'était un usurpateur. Regardez comment les gens ont blagué avec la vie d'un chef de l'État. Vital Kamerhe doit faire plus de 50 ans de prison. Vital Kamerhe doit faire plus de 50 ans de prison.
Regardez comment on a joué avec la vie du chef de l'État. Donc, Moutoumou ou Ekata Kensuki a ébanité. Zorande loko na bango moko, bor na bango moko. Donc, a koeke peu tchèye loko na katia gilet. A tchèye loko na katia peigne. A tchèye loko na katia nini. Oh, nzambe ya ba genou nangai. Nzambe ya ba genou nangai. Nzambe ya ba genou nanga. Je vais vous remettre la vidéo pour que vous puissiez comprendre combien nous avons été trahis à la tête de l'État. Le gars est là. Bonsoir, Bande. Kombo nanga Amis. Naza awa na Kisangani. Ngai nde na kataki président ya Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na Victor Kame Suki. Place batika kingai awa na Kisangani na nde naza vivant. Ngai Amis. Place batika kingai na nde naza Sikoy, Nazana 15 heures. Nazana 15 heures 56 minutes. Les lois sont les 16 mai 2020. La paix est sous le nom de Naza vivant. Awa Nakisangani. Amen. Donc, comme vous pouvez voir, le gars n'a jamais quitté Kisangani. Le voilà qui montre ses preuves. Amen. Iko photo ya mie na garde ya président wakati ya campagne ayo hii ingine ayo hii nilisha mukata président nyele ayo hii ingine hii wakati chef de l'état anakuwa président alikuya kunitafuta hapa Kisangani hapa deja anakuwa ananionyesha kubatu yake ayo hii ingine hii. Hapa déjà président anatoka na mie ingi en plein air anapia kunionesha kubatu ngine ayo hii na yenye nakamata kumikono ya jaune ilikuwa tu hii ba photo yenye mko mnaona hapa mie Amisi niko viva Kisangani sasa hivi. Comme vous pouvez voir, je répète parce que ce live est vraiment court, na tellement na kanda pour voir combien nous avons sauvé quelqu'un. Pour voir que nous avons eu raison. J'ai eu raison de ce combat. Donc, on a pris un usurpateur. Bah, créé Moutouana. Parce que c'est l'ami de Daniel Massaro. Où sont les photos qu'on m'a envoyées? Ils sont ensemble partout. Bah, Koliaka Bambongo. Bah, Komatarata Bolobi Kenaza Jalouse. Je m'en fous. Voilà. Je vais mettre tout à nu. Bah, c'est bon que je suis jalouse, bah, c'est Kabino. Pour moi, que je ne peux pas être jalouse de vous. Bah, photo, moi, ça, puis, supprimer, non. Vous verrez que le gars est avec Massaro presque partout. Voyez comment on a traité la sécurité du chef de l'État avec une légèreté extrême. J'interpelle la justice congolaise. Parce que maintenant, on comprend qu'il y a eu trahison au sommet de l'État. Que l'histoire ne se résume pas à l'argent qu'on a volé de seaux de moutons, de ceci et de cela. L'histoire se résume à plus loin que ça. Donc, vous comprenez comment les gens ont joué avec la vie du chef de l'État. Nzambe ya ba genou nanga. J'ai pris ce problème à cœur comme si c'était le mien. Comme si c'était le mien. Vous voyez comment le gars a traité la sécurité du chef. Donc le gars pouvait s'introduire jusque même dans la chambre du chef sans qu'on ne sache même pas de là où il est. Moutoua Kisangani, Atkana Kisangani. Ils ont créé une personne qui entrait partout où le chef était, qui voyageait partout. Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, nous avons sauvé le soldat Félix. Moi, aujourd'hui, je ne regrette pas qu'on ait voulu me tuer, qu'on m'ait humilié sur la place publique parce que j'ai défendu un homme qui s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je n'attends rien de lui. Je l'ai toujours fait gratuitement jusqu'à ce jour. Comment? Mais comment? Parce que quand je vois sous cette photo, vous voyez qu'il est entouré même de sa propre sécurité. Comment tout ça est passé par les mailles?
Je suis dépassé. Je suis outré. Je suis en colère. J'ai tous mes tripes qui sont dehors. Parce que je me dis, les gens ont fermé leurs yeux. Les gens ont préféré d'autour détourner leur regard. Fermer, bander leurs oreilles et leurs yeux pour ne pas voir ce qui s'est passé. Zambe yaba genou nanga. Zambe yaba genou nanga. L'autre gars s'appelle, c'est un maître, hein, la troisième personne qu'on a arrêté s'appelle, Seigneur Jésus Christ. L'autre gars s'appelle Maître Chabachuba, Rodrigue Bemba, on va voir que Rodrigue Bemba, Maître Chabachuba, c'est lui, la troisième personne. Donc, monsieur Yetaou, c'était. Il y a monsieur. Attendez, je voudrais bien mettre le nom. Parce que je sais que c'est un live qui sera beaucoup partagé. Et aux alamou qui est pour partager, on a pas groupe. Pour partager, on a pas groupe. Pour voir comment les gens ont joué avec nos trucs. Il s'appelle sur son compte Facebook Héritier Wete Azamwana Bandal. C'est lui qui se fait passer pour Monsieur Amissi, qui est. Il m'a même envoyé sa carte d'électeur. Attendez, je vais vous montrer sa carte d'électeur. Sa carte d'électeur. Sa carte d'électeur est là. Voilà sa carte d'électeur qu'il m'a envoyé. Le monsieur qui a coiffé le chef de l'État est là. Ça veut dire que le chef de l'État a voyagé tout le temps avec quelqu'un qui n'a jamais été son coiffeur. Non, Bosa Bantoki. Bosa Bavrenchior Bino. Non, il faut prier pour le président. Il faut prier pour le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi. Je savais que quelque chose se trame, comme je le dis souvent. Voilà que le Dieu de mes genoux est en train de sortir, de faire tomber tous les ennemis un à un, au vu et au su de tous. Au vu et au su de tous. Comment on peut mettre à côté du président de la République un homme qu'il ne connaît pas, un homme qui a voyagé avec lui? Ça veut dire, comme le président gère avec son cœur, sûrement que cet homme-là entre dans sa chambre pour aller chercher le peigne, le ciseau et tout ça. Entre-temps, qu'on s'appelle mon mouchoir, vraiment, vraiment, vous vous rendez compte, le pauvre coiffeur, ça, il faut le reconnaître. C'est ce que j'ai dit souvent à l'UDPS. L'UDPS n'a pas une armée numérique. Ce qu'on a dit, on appelle des personnes. Ce n'est pas comme ça que la communication fonctionne. Le chef de l'État doit avoir son équipe de communication privée. Quand on est dans tout, partout dans le monde, des Alakabongo, des gens qui sont rémunérés par la présidence, mais qui font le travail que nous faisons. Et quand ça l'a fait les boétés, à un moment, on va se lasser. Ma maman est diaspora. Toi, tu es toujours à gauche. Je ne t'ai jamais compris. Alors que tu as mis la photo de la première dame, je suis obligé de te bloquer ici parce que Osamu toi l'Oenge. Hein? Omona Bozamu tu as caméré. Bon, comme le roi même tout souana, Bazoti n'est bien en combo à Félix alors que Osamu toi caméré. Donc, je te bloque parce que tu ne comprends pas. Je pense que soit tu es sorcière, soit tu fais semblant d'être conne. Ce qui m'étonnerait. Donc, comme vous pouvez voir, le monsieur est toujours à Kisangani. Le monsieur est toujours à Kisangani. Donc, à sa vidéo, à Zobangakutu, à Tinelinga vidéo, na maman.
nanaske okende kishasa te, on ne m'a jamais appelé, banda bati kangai awa. Veut dire, ils sont partis, koluka mutabango mukuse wana, o akokani presque naye, ils l'ont fait passer dans le mail. Non! Non! Le faux coiffeur s'appelle. Héritier Ouet sur son compte Facebook. Si vous y allez, vous allez voir, il a plusieurs photos avec les membres de l'UNC, dont le ministre de la Jeunesse, Héritier Ouété, c'est celui qui est arrêté. Le vrai coiffeur est toujours à Kisangani. Il n'a jamais mis les pieds à Kinshasa. Et puis à Tchepe, tout homme forgé contre vous ne sera sans effet. Donc le gars s'achète des voitures. Donc Azolia la moto qui a mutumusu zuta niveau. T'as la niveau pour preuve. Ils sont à Saro, ils sont là. Donc c'est un coiffeur qui a été créé de toutes pièces et qu'on a mis à côté du chef de l'État. Donc à comment qu'on voyageait. Le gars a quitté Kisangani. Il ne savait pas qu'un jour il sera à côté du président. Et aujourd'hui, il est avec le président. Ils ont voyagé partout dans le monde. Or, c'est un gars créé de toutes pièces par nos gens de l'UNC à côté du président. Nzambe Sunga Félix. Love leader, Mutuavita, mère Aucho Kota. Love leader, je te salue, force avec. Tolingai na biso mais mutuna chance nae. Voilà, il est là avec Daniel Massaro. Yeyo. Donc bon qu'étant la compte nae. Donc c'est un gars qui est fabriqué par l'UNC. Donc le vrai coiffeur azalaka nae kunana babenga ngapi na Kisangani. Le vrai coiffeur. Voilà. Bakangana bango ba photo. Bazo mona biso ba bizengi na bango ba yuma na bango. Bakangana bango ba photo. Ba mona so ba yuma. Le gars, il est là avec le ministre de la jeunesse de l'UNC. Donc c'est un gars fabriqué pour rester à côté de Félix Antoine Tshilombo et Tshisekedi. Ils ont vraiment passé. Lovely, d'ailleurs, il faut côté la cache chef nao, tu osani. C'est normal. Maintenant, s'il n'est pas son coiffeur, il est qui? Nazo Lukae. Donc tellement Zumbongo ya ofele a komi ko sala ka ba feti ba nini. Donc le gars a peine héritier. Donc voilà, le truc de ce soir. Le gars qui est arrêté à côté de Daniel Massaro et c'est leur collaborateur à eux. Ce n'est pas le coiffeur du chef de l'État dont on a vanté partout. Il a quitté Kisangani, a commis aucun des poteaux, a commis aucun des boyers.
akweba ngonde yenin akweba ngonde yenin love leader. Il faut tuer quelqu'un de très instruit parce qu'au fond dans la poto, au fond dans Londres, Mozambo toi INC. Il faut pas embrouiller les gens. Nous avons des ordres de mission, on a écrit le nom de ce garçon-là comme coiffeur. Les ordres existent. Tokumisi kutu nzambe. Nzambe aba genou, le gars c'était un peu. Moutumoko a wouti kuna bakisangani. Nzambe Félix a tiré ma coiffeur na Kinshasa na poto partout à Keko Lukae. Vous n'étiez pas là pour nous dire que ce n'est pas le coiffeur. Aujourd'hui, qu'on a Tokangibi na ma voandu. Bozia kopimisa que non, ce n'est pas lui, il faut arrêter. Nako Lukaju, nene, love leader, c'est. Déjà, je t'accepte sur ma page parce que tu es une amie que j'aime bien. Moi, je parle pour mon frère que vous vouliez tuer. Donc, ne viens pas venir faire ici comme si nous sommes en train de mettre cela mayoto. De mettre cela mayoto, de mettre cela via de konanga. Il y a pouvoir na biso. De bozana bon pima na présidence, moi c'est le ministère. Bon qui n'a bien. Vous ne pouvez pas jouer avec les gens. Qu'il expose l'argent, on s'en fout. Mais qu'on lui présente comme étant le coiffeur du chef de l'État, alors que le vrai coiffeur a bimi. Azana en amboka kuna banda botika e. Ti le lobo zoa ete. Je sais que toi, INC. Palpite et zuba ngokom baza bandoki. C'est des sorciers, ces gens-là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. C'était juste ça l'info. Le gars qui est à côté de Massaro, ce n'est pas le coiffeur du chef de l'État. Le coiffeur dont on a vanté partout pour dire Nzamba va genou. Coiffeur à Outi Kisangani, il n'a jamais quitté Kisangani. Il est là-bas jusqu'à ce jour. Maintenant qu'on nous dise que celui qui se faisait passer pour le coiffeur, il est qui? Parce qu'on le voit à côté de Daniel Massaro. Dans son arrestation, on le voit côté de Daniel Massaro sur sa page Facebook héritier Wété. Donc, Tokolala te pona likambo ya Félix. Ndengeza wana tokolala te, nous allons dérouter tous les ennemis. Nzamba zo sa na butu, na mulili, na nino, zo to sa na moto, misami tout. Donc, bonne soirée. Au revoir. Baudric, il est en retard.